fait le plus grand changement pour moi, c'était de savoir que, tu sais, des fois on se dit, l'entraînement, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas capable de courir 5 km, puis je serai jamais capable. Mais en fait, j'étais capable de le faire. Puis ça, ça a été le grand changement, c'est de réaliser que mon corps, il était capable d'en prendre. À partir de là, bien, de faire, OK, bien, je suis capable d'en faire plus, d'en faire plus encore. Puis c'est ça, en fait, le plus gros, la plus grande réalisation que j'ai eue pendant le défi, l'espèce de prise de conscience qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Tout le monde a embarqué dans le défi avec moi. Puis tout le monde, après ça, les activités qu'on faisait, tu sais, ils n'allaient pas au resto sans moi, là. Ils essayaient de venir manger à la maison, cuisiner ensemble. Ils sont tous venus courir avec moi, ils sont venus s'entraîner, on allait à natation, on allait prendre des marches dans le Vieux-Québec à la place de justement aller manger au resto puis d'aller prendre un verre comme on fait toujours pour jaser. Donc ça a amené un changement autour de moi, puis de voir tout ce monde-là qui se mobilisait puis qui a changé avec moi, bien, c'était super motivant, puis j'aurais pas pu le faire sans eux, parce que moi, mes amis, mon cercle d'amis, c'est super important pour moi, comme ça peut l'être un conjoint ou des enfants. Bien, pour moi, c'était ce cercle rapproché-là de moi, de mes amis, puis qui a fait ça avec moi, bien, ça a tout changé pour mon défi.